Salut, aujourd'hui une vidéo particulière, très proche de l'urbex, mais aussi très éloignée, car la visite de ce soir se déroule dans des conditions de sécurité maximale, contrairement à un urbex pur et dur. En effet, le personnel très sympa du fort de Fermont organise ce soir, en pleine fête d'Halloween, une traversée du fort dans le noir complet, avec comme seul éclairage des lampes torches. Une balade totalement différente des visites organisées le jour. Nous devions avoir deux lampes torches de grande autonomie, des vêtements appropriés et des chaussures de marche, si possible étanches. Et c'est parti! Le but de cette vidéo n'est pas de spoiler le parcours, mais au contraire d'éveiller votre curiosité et de vous inscrire pour aider l'association des Amis de l'Ouvrage de Fermont et de la ligne Maginot. Pour ma part, j'ai adoré et je remercie les guides ainsi que les personnels à l'extérieur qui ont assuré la sécurité. Tout le monde sait descendre ? Ça va pour tout le monde de descendre ? Voilà, je vais descendre. Et là, vous avez les toilettes et le lavabo. Et du 2 septembre 39 à 26 juin, c'était très peu, pas tous en même temps. Voilà. Ça, c'est le tuyau d'aération. Regardez chacun à votre aile. Et vous avez compris. Oui, le seul que j'ai cherché à la fin. Vous voyez les défauts ? Non. 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 Celui du dessus, ici. En fait, vous avez à l'extérieur un puits. Attention, on a. Et voilà, vous avez fait le tour qui va vous prendre. Oui, j'ai enfoncé le diamant. Il y a trois tuyaux qui sont dedans. Le premier, c'est les écharpements des ailes. Alors, il y avait un don de charge. Seuls les officiers pouvaient s'en servir. Mais en principe, les soldats restaient dans l'autre partie du pouvoir. Le tuyau rouge, c'est le tuyau de mazout. C'est par là qu'il faisait le plein. Et en cube, ça veut dire que combien de mètres ? Les cubes de mazout. Ah, une capacité de 180 millilitres. Alors, les goûts visitables, mais aussi la mort. Vous goûtez peut-être pas mal de sec dedans, je vais payer de connaître. Donc, il est prévu que si le fort est un V6, c'est-à-dire encerclé, il y ait un endroit, s'il y a des tués, vous les mettre sur la tête de la mort. Il y avait 6 places là au-dessus. Et en dessous, c'est les. Au cours de la visite, vous pourrez être amené à rencontrer le fantôme du fort. Il s'agit de la Dame Blanche que l'on peut apercevoir et entendre gémir dans les couloirs du fort. Vous êtes prévenus. Je vais vous passer.
4 coups de vie par vie, 2 suffit à aller sur la réserve. 1 en réserve, 1 en la force. Le fond, c'est 6 en fond. Donc 220 coups de la réserve. Donc attention à ne pas vous cogner sous les étagères. Et de 35 à 37 pour l'armement. Donc fin 1937, il était opérationnel. Alors on va passer maintenant devant un blocus de défense intérieure parce que, de nouveau, si jamais l'ennemi arrivait au pied, on se défend. L'objectif est que les blocs de combat puissent se battre le plus longtemps possible. Donc on recule au fur et à mesure avec des sécurités. Et juste après le virage, il y a une porte blindée qui est rouillée, qui ne bouge pas, mais on vous. On aurait abouti là. Il faut savoir que quand les fauteurs d'abandon ici, ils ont récupéré beaucoup, beaucoup de pièces partout où ils pouvaient, au cas où, pour se dépanner. Donc voilà, suivez. Alors ici, tout au bout, un passage un peu difficile. Voilà. Venez. Voilà, vous êtes dans la voie des soldats. On a récupéré tel quel,
Donc vous avez vu la morgue qu'on a complètement nettoyée et réhabilitée. On va faire de même ici. Mais les soldats pouvaient se laver avec de l'eau froide. Vous trouvez pas ça des surprises en vidant un peu les blesses comme ça hein? Non, pas de bonne. Donc on ne peut pas marcher sous cette lumière. D'accord. Okay. Donc ne pas marcher sous cette lumière. Ne pas marcher sous cette lumière. Donc ce sont deux, on va pas dans le sens, ce sont deux essais tout simplement. Ne pas marcher sous le milieu. Et si vous ouvrez une porte, vous allez voir quelque chose qui est étonnant. Qui ne se voit pas. Donc pas marcher sous celle-là. Vous pouvez ouvrir une porte. Et sur le côté gauche, vous voyez, en fait le manche, vous remuez l'instruction sur le nombre de feuilles de papier qui vous mettez dans le sein. Petit calculé. Une très belle chose à voir. Allez sur votre droite, monsieur. Vous serez. Ah oui. Faites des conférences. Arrête-toi avant l'entrée. Ouais. Oui, avant l'entrée. J'ai une explication. Non, mais c'est peut-être un truc à dire. Alors là, en face, on ne fait pas visiter encore, parce que c'est franchement extrêmement cool. Tu as prévenu, mon petit? Merde, c'est là-bas. T'as prévenu? Non, j'ai oublié. Tu passes devant? Ouais. Tu passes sur la galerie principale. Donc on va marcher un petit peu. Beaucoup. Ça monte? 8 km. Et on va s'arrêter à une porte blindée et à des fours de mine. Tu fais pas le puits? Ah si si, oh pardon, je regarde le puits. Donc j'allais dire au Donc là on peut y aller en deux ou trois jours. Vous voulez bien? Ça c'est une petite citerne. Oui. Alors pas là un petit peu, oui. Alors, on bouge. Vous avez pas de vertige? Non. Pourquoi? 60 mètres. Ah oui. Là-bas, tout au fond, c'est la nappe phréatique. Alors ce que vous voyez au mur à droite, c'est des rénovations des années 50. Parce que le four a été remis en état dans le cadre de la guerre froide. Je me disais, ouais. Ah, dans le cadre de la guerre froide. Okay. Donc l'intersection de deux galeries, on arrive à la galerie principale. T'as un téléphone ici? Pardon. Le téléphone, il est très bon, sur le faire en plus. Donc, ceci, c'est les protections qu'on a mis quand le train passe. Si jamais quelqu'un sortait un bras, une jambe ou une tête, on essaye de limiter la casse. Et juste après, vous avez la porte blindée. Et au milieu, le petit rectangle, c'est en fait un créneau pour un fusil. Donc on fait sauter, on ferme la porte.
sont des forts très dépendants les uns des autres. Une galerie principale sur laquelle se greffent les autres galeries latérales vers des blocs de combat. D'accord ? Ça, c'est le principe. Allez-y. Donc une sous-station électrique pour le train. Attention, regardez bien où vous mettez les pieds. Sur votre gauche, déchambré, mais ça vous en avez déjà vu. Voilà. Vous allez aller voir le PC. Attention, attention. Au milieu du sol, il y a des barres métalliques qui sortent sur 20 cm. Ne vous cognez pas, ça fait mal. Voilà, on va venir. Ici, dans la troisième pièce, c'est la pièce des téléphonistes. Donc, j'ai des soldats qui sont là, qui reçoivent toutes les instructions par téléphone. Et faites très attention ici, ça fait très mal. Là et là. Ça, c'est unique.
la dernière pierre qui a été posée, et M. Joseph Vancourt a laissé ses initiales. Pas bégone. Ça, c'est du gamin. Oui. Voilà, la clé de voûte. On s'arrête au sommet de la gare. À la gare ? Probablement un puits de service. Donc le logement, pourquoi ? Parce qu'on voit qu'ils sont ouvrés. Ça, par contre, je veux que tu puisses le faire. Alors l'été, avec la condensation bleue, toute la galerie est envahie par le brouillard. Ce qui donne une impression très très particulière. D'où le mystère de. Pardon ? Surtout faire faire les ailes. Vous sentez un souffle dans votre nuque ? La dernière des gares. On va s'arrêter deux secondes. La réserve de rail. Alors, si vous observez le plafond, il y a quelque chose que vous avez marqué. Il y a plusieurs choses qui sont faites. Regardez à vos pieds parce qu'il y a des socles de machines. Vous pouvez y aller, c'est le bout, le fin, du fond, c'est la fin. C'est là que vous allez. Ça, c'est du bois de l'eau. Pas de bon barbe. Ouais. C'est tout le système de manipulation de la drogue. Tourner, lever. Thank you.
Venez avec moi ici à gauche. Vous êtes les premiers à venir voir. Donc ça, c'est notre convoi technique quand on travaille. Vous pouvez mettre la salle de train ici. Voilà, mettez-vous là, sur votre droite, s'il vous plaît. Là. Venez par ici, je vais vous expliquer, mettez-vous là. Parce qu'il y a quand même un grand trou. Avec deux pots roulants au-dessus. Celui du fond fonctionne. Alors, la surprise du chef, c'est l'issue de secours secrète. D'accord, vous avez toute l'explication ici. Okay. Vous voyez, on a mis un LED, mais on n'a pas mis le courant, on n'a pas de lumière. Donc allez-y chacun votre tour. Vous grimpez ? Oui, pour... non, là, vous ne montez pas. Hein. Ah d'accord. Vous regardez. Ouais, ouais, ouais. Vous devez éclairer. Attention à la tête. Hein. Donc c'est par là que le four est par contre. En deux. Vous avez l'explication là. C'est bon ? Oui. J'avais pas appuyé sur l'enregistrer. Ouais. C'est eux qui m'a dit qu'il y avait une clé. Donc ici, on a reconstitué un convoi tel qu'il était à l'époque. Les différents wagons. Vous avez un wagon Citel 1408 capable de monter l'eau à 30 000 euros. Donc si un bloc manque d'eau, c'est vu amener de l'eau. Okay. Et vous avez un convoi tel qu'il était. Cet wagon, chacun avec deux conteneurs associés aux 5 heures de but, donc 100 pour lui faire progrès, 732 de bas. Le en face de vous, ce sont des niches à gauche par sous. En face, c'est un conteneur. Donc, quand même fameuse machinerie. Hein. Oui. Alors si vous regardez dans le fond, vous voyez, il y a une échelle. Là, vous voyez, donc dans le mont de charge, je vais tout faire. Okay. Et ici, de secours, est dans le plafond du mont de charge. Donc si ce bloc, c'est les sorties. Alors il faut savoir aussi, en 4 ans, le mont de charge, on sait le faire à la main. Donc, qu'est-ce que j'ai ? Moi, je vais couper le port. Personne, c'est bien. Je vais passer le vent. Thank you.
C'est fini, venez nombreux car c'est une sortie extraordinaire. Allez, ciao, à bientôt !